Amis internautes d'Activision TV, bonjour. Votre synthèse de l'actualité, c'est tout de suite. Sonko lance la traque aux fraudeurs. Affiche par exemple Le Quotidien, se faisant l'écho d'une conférence de presse animée jeudi à Dakar par les patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, parti dirigé par le député Ousmane Sonko. Cette formation politique s'insurgeant contre l'attitude de certains maires de la capitale dans la délivrance de certificats de résidence a menacé de bloquer la révision des listes électorales dans certaines communes, écrit le journal. Pastef Dakar passe à l'action en invitant les jeunes à bloquer les commissions d'inscription s'ils n'obtiennent pas leur carte d'identité numérique à date échue, souligne le quotidien LAS. Dans les colonnes de Vox Populi, l'édile de Mermont Sacré-Cœur assène quelques-unes de ces vérités. Nous n'accepterons pas d'aller vers une période de contentieux sans le fichier électoral. Ça suffit, trop c'est trop. Wolf Quotidien conforte les perspectives d'alliance évoquées entre Pastef et Tahaou Ndaoui en affirmant que Ousmane Sonko et Khalifa Sall, les deux leaders concernés, sont d'accord sur le principe d'une alliance électorale lors du prochain scrutin local. Convenu du principe de créer une liste commune, ce qui est franchement inattendu dans ce contexte, c'est de penser que l'Alliance pour la République, la PR, le parti au pouvoir, creuse sa tombe, comme le dit le quotidien critique. En optant d'entretenir l'avenir politique de ses poulains avec ses élections locales au détriment de son projet politique personnel, le patron de l'APR ouvre la voie à toutes sortes de résistances au risque de saper l'unité au sein de ses partisans. Et le journal de pointer une faute stratégique du président Macky Sall qui cherche à noyer le poisson. Source A, on ne peut plus direct affiche de cercueil d'infection. Pour résumer la situation à la lumière du dernier bilan épidémiologique qui fait état de 9 décès de plus et 656 nouvelles infections. Delta de soucis, titre sur le même sujet, le journal Le Quotidien, dont la machette référence aux variants anciennement indiens, souligne l'ampleur des préoccupations des pouvoirs publics et du personnel soignant, dont certains appellent et renfort à l'image du centre de traitement des épidémies CTE du hangar aux pèlerins de l'aéroport de Yoff. Les craintes demeurent réelles, par ailleurs, relativement à la situation des femmes enceintes qui sont en danger avec le Covid. Selon le quotidien L'Enquête, 4 décès maternels et des cas pulmonaires graves ont été ainsi enregistrés à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, signale ce journal. Il évoque aussi des accouchements de prématurés et un taux de césarienne très élevé, quand le témoin quotidien souligne que le Boulefale constitue un terreau fertile pour le variant Delta. Alors que la troisième vague fait des ravages et que des records de morts quotidiens sont battus, la plupart de nos compatriotes font comme si de rien n'était. Pire, ils considèrent tout simplement que la pandémie n'existe pas, constate le journal. Frontière Mali-Sénégal, des camionneurs victimes d'une attaque armée. L'insécurité serait-elle grandissante sur la frontière entre le Sénégal et le Mali? Dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 août 2021, des chauffeurs de camions ont fait l'objet d'une attaque armée sur le territoire malien entre Diboli et Kaye, près de la frontière avec le Sénégal. Basket tournoi de Dakar, les Lions avec Gorgui Sidian gagnent leur troisième match. Sa participation au tournoi de Dakar, préparatif à l'Afrobasket 2021, qui doit se jouer au Rwanda, était prévu samedi contre la Guinée, mais Gorgui Sidian a finalement pu participer hier à la troisième rencontre des Lions contre la sélection locale du Sénégal. Une rencontre que la nouvelle recrue des Atlanta de la NBA et ses partenaires ont remporté sur la marque de 86-58 malgré la résistance de l'équipe locale du Sénégal. Les hommes de Boniface Ndong n'ont pas eu beaucoup de peine pour enregistrer leur troisième victoire du tournoi. L'essentiel étant dit, merci et à très bientôt sur votre chaîne préférée.